Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ouverture de courrier. Alors je vais vous montrer les deux petits courriers que j'ai reçus en fin de semaine pour mon concours et je vais vous montrer deux trois petits colis que j'ai reçus de Wish. Alors on va commencer par le courrier de Sabrina qui habite dans le 68 qui m'a envoyé donc ce petit courrier pour le concours. Donc j'avais déjà regardé hein. Donc je vous montre sa petite carte, voilà, à Sabrina, toute jolie, fait avec du papier action. Elle est toute mimi, toute en douceur, j'adore, juste pour toi, avec son petit nœud. Elle a mis là des petits strass, vraiment très jolie, elle a mis des petites bandes. Et donc à l'intérieur, elle m'a mis son petit mot. Alors elle a un pseudo YouTube, Sabrina, c'est Sabrina Sanchez, Sanchez Sabrina. Elle a un pseudo YouTube, donc je pense pas qu'elle ait de chaîne. Je pense pas qu'elle ait de chaîne, Sabrina. Tu devrais te faire ta chaîne, Sabrina, parce que franchement, c'est très joli ce que tu m'as fait. Et elle m'a fait donc une petite ATC. Voilà sa petite création, très 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 jolie, avec des petits tamponnages qu'elle a colorisés. Elle m'a mis des petites fleurs en strass. Donc c'est ATC, donc elle a été faite le 4 mai 2018. Le thème c'est Fleury, série 2012. Alors ça je ne sais pas trop ce que c'est les séries. Alors est-ce que c'est le nombre d'ATC que tu as fait ou je ne sais pas trop ce que c'est ça les séries. Et elle a un Instagram. Alors elle a un Instagram. Mais je n'arrive pas à lire ce que tu m'as mis à Sabrina. PHE2AC3. Je ne comprends pas ton Instagram Sabrina. Il faudrait que tu m'envoies un petit mail, Sabrina, pour me dire ton nom sur Instagram, pour que je puisse communiquer aux filles. Voilà, je te remercie beaucoup, Sabrina, pour ta participation. Ça me fait super plaisir. Voilà, Sabrina. Alors, je vais te donner ton numéro, Sabrina. Donc, Sabrina, pour le concours, tu as le numéro 10, Sabrina. Tu as le numéro 10. Donc, voilà pour toi. Donc, je vais noter quand même sur ta petite enveloppe pour ne pas me tromper. Donc tu as le numéro 10. Voilà Sabrina. Ensuite on va continuer avec le courrier de Célinette. C'est Céline qui m'a envoyé sa petite participation. Toujours très jolie Céline. Voilà, avec son petit ruban à chaque fois. Je reconnais tout de suite que ça vient d'elle parce qu'elle m'écrit en... avec un crayon couleur doré, j'en ai un moi aussi, c'est celui-là à paillettes de chez Action, et très joli, je reconnais toujours, puis elle a sa petite marque de fabrique derrière, c'est très, très très joli. Alors, sa petite création à Célinette, elle m'envoie toujours des jolies petites choses Célinette. Alors, on va commencer tout de suite par sa petite carte, j'adore toujours ces petites cartes, très mignonnes, très jolies. Voilà, elle m'a mis son petit mot à l'intérieur. Après t'avoir envoyé pour le concours, maintenant c'est pour le défi hibou. Ah oui, c'est pour le défi là, Céline. Alors Céline, pour le défi, je t'ai noté le numéro 5, Céline. T'as le numéro 5 pour ce que je t'avais déjà noté pour quand tu m'avais envoyé ta première participation. Je croyais que c'était pour le défi. Donc tu as le numéro 5 et pour le concours, tu as le numéro 7. Donc 5 pour le défi et 7 pour le concours. Alors ensuite, elle m'a envoyé donc sa petite carte. Alors regardez sa petite carte. Je vais vous la montrer de plus près. Et alors, hop, elle se déplie comme ceci, regardez. C'est trop trop bien fait quoi. Je ne sais pas comment tu as fait ça Céline, mais alors c'est... Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais c'est super joli, c'est super original. Regardez, et après, hop, vous la repliez comme ça. Elle m'a mis son petit bout, donc c'est validé. Oh, elle est super jolie. Moi, j'adore, elle a tout découpé, ses petits tampons, ses petites fleurs. Elle m'a mis des demi-perles. Vraiment magnifique, c'est une très, 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 très jolie. Je la remonte. Hop, regardez, hop, ça fait un petit accordéon. Et you, on referme. Vous voyez, c'est original, hein, c'est la première fois que je vois ça. Merci beaucoup Céline, elle est très 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 jolie ta petite carte, j'adore. Elle m'a mis des petits papiers comme ça, hop, que je n'avais pas, des petits papiers, hop, ça c'est super gentil.
Et elle m'a mis, alors j'adore toujours ces petites ATC, j'aime bien comment elle est présente en fait, Céline. Moi j'adore, je trouve ça super joli. Elle m'a mis un joli petit papier, regarde, une petite pochette, elle m'a fait une petite pochette avec du foil. L'intérieur, vous voyez, c'est du papier comme ça de chez Action. Et elle m'a fait sa petite ATC qui est magnifique, avec des petites libellules, un petit cœur, je vous montre. Voilà, comme ceci. Travail magnifique, Céline. Alors, le thème, c'est Microcosmos. La date du 2 mai 2018, c'est la 2 sur 4. Et donc, elle était faite par Célinette. Voilà. Elle est magnifique. Très joli papier. Oh, moi, j'adore. J'adore tout ce que vous faites. C'est vraiment très, très joli. Donc, merci beaucoup, Céline, pour ta participation. Ah oui, elle m'avait mis aussi une petite enveloppe. Avec des petites découpes. Hop. Alors, vous voyez, elle m'a mis plein, plein de petites découpes. Regardez. Des petites fleurs comme ça. Elle m'a mis des tout petits nounours. Regardez. Des tout petits nounours comme ça. Regardez comme c'est trop mignon. Alors, moi, avec mes gros doigts, forcément, je ne peux pas arriver à vous les montrer. Regardez. Tout petits nounours. C'est trop mignon. Tout petit canard. Comme ça. Je ne peux pas trop sortir parce que j'ai peur de tout faire tomber. Elle m'a mis plein de petites fleurs comme ça. Ça, j'adore parce que avec mon rouleau, je vais pouvoir, vous savez, je vais pouvoir faire des fleurs en 3D. Merci beaucoup, Céline. Je te remercie énormément, énormément, énormément. Des petites fleurs comme ça, regardez qu'elle m'a mis. J'adore tout ce qui est petit comme ça, c'est trop mieux. Regardez des petites fleurs comme ça. Oh, ça, je vais pouvoir m'amuser avec mon appareil là, le rouleau comme ça là, vous savez. Attends, je vais vous montrer ça là. Hop, et je tourne sur mes fleurs comme ça et je fais des fleurs. Je trouve ça super joli. Merci beaucoup Céline, merci, merci, merci. Donc voilà pour mes petits courriers de fin de semaine. Je vais vous montrer donc le colis Wish que j'ai reçu. Alors j'avais commandé chez Wish des fleurs multicolores en mousse. Alors elles sont jolies hein, mais j'ai été un peu déçue de la grosseur. Je pensais qu'elles étaient un peu plus petites, vous voyez. Donc il y a toutes les couleurs hein, du rose, du vert, du rouge, du jaune, vous voyez. C'est que de la fleur en mousse. Voilà, ça, j'ai dû payer ça 2 euros. Tout sachet comme ça. J'ai reçu mes perles. Voilà, alors ça se présente comme ça, c'est pas en rouleau, mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Donc voilà, mes perles, ça j'ai payé ça 2 euros, je crois aussi. Vous voyez, toutes mes perles, ça j'adore, j'en utilise beaucoup, mes perles comme ça. Et pour finir, j'ai reçu, mais c'est plus dans le paquet, parce que j'ai utilisé des fleurs en mousse comme ça, vous savez, avec le petit tulle. Le petit tulle, alors ça, vous en avez 180 fleurs pour 1 euro, je crois. Quelque chose comme ça, voilà. Donc voilà les filles pour ma petite vidéo d'aujourd'hui, ouverture de courrier. Je vous rappelle que le défi donc, se termine jeudi, donc jeudi 24. Je vais faire le tirage au sort, je pense, dimanche matin, dimanche prochain. Et mon concours, donc il se finit le 15 juin. J'attends encore plein de courriers, donc je vous montrerai tout ça en vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais des gros bisous. Bye bye.